Enfin, je ne fais que livrer la voiture. Cette voiture, elle vient de la part de Madame Grévin. Oui, Marie-Christine Grévin, vous connaissez? Un peu trop. Madame Grévin s'est mise en tête d'épouser M. Raymond. Tiens bon. Elle ne cesse de le couvrir de cadeaux. Or voilà un que j'aurais accepté. Ce n'est pas tous les jours que l'on vous fait livrer une Ferrari. Vous savez, la semaine dernière, c'était un cheval. Ah, un cheval? Un pur sang avec son jockey. Monsieur Raymond aurait tout intérêt à accepter cette voiture. Je crois que monsieur va pouvoir répondre à votre question. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est une livraison, monsieur. On m'a chargé de vous remettre ceci. Une livraison ou encore un cadeau? Un cadeau de Marie-Christine Grévin, monsieur. Non. Jamais je n'épouserai cette idiote. Elle me jeter cette carte, Thérèse. Bien, monsieur. Mais que faut-il donc faire pour qu'elle comprenne? Elle en épouser une autre. Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai du noir sur le nez? Non. Pouvez-vous m'accorder un instant? C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça ne sera pas long. Asseyez-vous. Vous buvez quelque chose? Non, je vous remercie. Alors dites-moi, qui êtes-vous, juste? Eh bien, je travaille pour le garage Rendal, monsieur. Généralement, nos acheteurs sont très heureux de voir une dame arriver dans une Ferrari. Vous connaissez la femme qui m'offre la voiture? Non, pas du tout. Ça s'est passé par téléphone. C'est une dame qui téléphone beaucoup. Excusez-moi. Allô, oui? Marie-Christine, écoutez. Écoutez! Vous commencez à me fatiguer. Je vous ai déjà dit que c'était énorme. Eh bien, écoutez, si vous êtes têtu, moi aussi, et vos cadeaux n'y changeront rien. Non, là, faut en finir, là, j'en peux plus. Dites-moi, ça vous rapporte ce que vous faites? Oui, bien sûr, mais pourquoi? Une simple curiosité, mademoiselle. Écoutez, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Voulez-vous essayer la voiture? Non. Non? J'ai une proposition à vous faire. J'espère qu'elle est convenable. Ce sera à vous de voir. Je vous offre 5 fois ce que vous gagnez par mois. Nourri, logé, habillé, blanchi, argent de poche en supplément. Et la voiture en prime si tout se passe bien, qu'en pensez-vous? Avec un bon avocat, 20 ans. Qui dois-je empoisonner? Marie-Christine la gonflante. Il faut me débarrasser d'elle. De quelle façon? Vous devriez le savoir. C'est vous qui m'en avez donné l'idée. Je vous épouse. C'est une plaisanterie. Oui, bien sûr. Dès que Marie-Christine se sera fait une raison, je vous rendrai votre liberté. Jusque-là, tout le monde doit croire que nous sommes mariés. Et vous croyez que cela va suffire à la décourager? Si elle continue à me faire la cour, j'espère que vous saurez vous montrer persuasive. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au juste à cette brave femme? D'insister, je ne l'aime pas. Elle m'horripile, c'est physique. Et ce ne sont pas les millions d'euros qu'elle a hérité de son nom qui me feront changer d'idée. Au contraire. D'autant que, d'après ce que je vois, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oh, ce n'est pas chez moi ici. J'habite encore chez mes parents. Oh, il habite encore chez ses parents. Alors, vous acceptez? Vous ne craignez pas que nous nous engagions dans une aventure délicate? Pourquoi délicate? Je vous demande pas de m'aimer. Oui, bien sûr. Mais je tiens à vous dire tout de suite que vous êtes tout à fait mon genre de type. Je vous engage comme femme. Je vous engagerai comme domestique ou cuisinière. Oui, bien sûr, c'est une chose que l'on voit tous les jours. La table est bonne. Écoutez, mademoiselle, accepte ou refusez. Mais ne me faites pas perdre mon temps. Vous recevez beaucoup? Quelle importance, on ne pourra pas te servir à table. On dit ça. Il y a encore beaucoup d'employeurs qui en prennent à leur aise. Heureusement que nous avons les syndicats. Vous me plaisez. Comment vous appelez-vous? Mélanie Ford, ça ira? Mélanie? Raymond. Je vois. Je quitte Ford et le garage. Alors? Va pour Mélanie Raymond. Excusez-moi, mais la cuisinière demande si... Pardon. Non, mais ça va pas! Encore une initiative de ce genre et je me passe de vos services. Excusez-moi, j'ai cru bien faire. Étant donné la soudaineté de notre union, il ne peut s'agir que d'un mariage d'amour, ce qui signifie certaines effusions. Oui, eh bien, le minimum suffira. À vos ordres. Trop bien. Bon, je vais vous présenter à... À vos parents? Non, à Thérèse, la gouvernante, avant qu'elle ne mette les pieds dans le plat. Comme vous voulez. Thérèse! Vous allez voir, c'est une femme charmante, mais qui a des principes. Monsieur? Thérèse, vous préviendrez la cuisinière. Vous ferez rajouter un couvert. Mademoiselle reste pour le déjeuner? Oui, Thérèse. Désormais, madame, et non mademoiselle, déjeune, dîne et dort ici. Et quelle chambre dois-je donner à mademoiselle, enfin, je veux dire, à madame? Mais la mienne, Thérèse.
Et où dois-je déménager, monsieur? Mais nulle part, Thérèse. Madame est ma femme. Eh oui, Thérèse, je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure. Je voulais vous ménager la surprise. Oh, ce mariage en effet est une surprise. Que voulez-vous, Thérèse? Un mariage d'amour est toujours très brutal. Avouez que pour de jeunes mariés, faire chambre à part serait un effet déplorable. Eh bien, permettez-moi de présenter à madame et monsieur mes plus respectueuses félicitations. Merci, Thérèse. Je te laisse quelques instants, ma chérie. Je vais prendre une douche. Oh, je te rejoins. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pic-Pic. Pic-Pic, le poulet de madame. De madame? Le poulet de la mère, du mari de madame. Comment? Ma belle-mère élève du poulet? Non, pas du poulet, mais un poulet. Pic-Pic. Dites-moi, Thérèse, est-ce que ma belle-mère ne serait pas un peu... Comment, madame, ne connaît pas ses beaux-parents? Non, ça vous épate? Oh, vous savez, madame, cela fait des années que je travaille dans cette maison, alors plus rien ne me surprend. Ah, ben c'est pour ça que vous n'avez pas très bonne mine. Ah. Oui. Merci, Charles. Madame et monsieur arrivent. Vous parlez de mes beaux-parents? Ils reviennent de Paris. Monsieur avait des affaires à traiter en bourse. Eh bien, écoutez... En parlant de ça, j'aimerais rejoindre mon mari. Sous la douche. Thérèse, sous la douche, c'est mon mari. Eh bien, considérez à présent que je suis au service de madame. Et allez, ma blague, Thérèse. Oh, enfin chez soi. Chaleur épouvantable, n'est-ce pas, Léo? La campagne a quand même du beurre, du bon, voyez-vous. Et au point que vous ne pouviez rester 2 jours de plus à Paris? Allez, mes affaires, alors. Broutille, détail. Oh, je vous en prie, Léo. Je ne peux pas supporter de front la hausse du mercure et votre mauvaise humeur. Bon, le mercure monte. Oh, mais c'est fou. C'est fou. Bon, mais c'est le moment d'acheter. Allez, vite le téléphone. Mais non, chérie. Mais je vous parle du mercure qui est dans le thermomètre et qui monte sous l'effet de la chaleur. Enfin... Vous êtes vraiment un grand gosse. Ce n'est pas pour rien, je vous en prie. J'ai passé l'âge de me faire charbonner, hein. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce beau présent vous rende riche et content. Joyeux anniversaire, Léo chéri. Elle y a pensé. Oh, finalement, Victoria, vous êtes un petit être exquis. Et s'il m'arrive parfois d'être un peu colérique... Mais non, Léo, mais non. Mais si, enfin, je vous dis que je peux être colérique, enfin... Les yeux. Ah. Coucou! Qu'est-ce que c'est que ça? Une concession. De quoi? Un terrain tout plein de pétrole. Et où ça? Près des sources de l'Orénoque en Amérique du Sud, sur le territoire d'une tribu indienne, les Beaux Sautageaux. Alors celui qui vous a donné ça, c'est bien fiché de vous. Mais enfin, Léo, on me l'a pas donné, je l'ai acheté. Quoi? Oui. Mercredi, en venant vous chercher à la bourse, un homme élégant et au demeurant très charmant m'a proposé de faire l'affaire du siècle. C'est une concession très demandée et il m'en a offert la primeur. Attendez, ne me dites pas que vous l'avez payé. Si, mais cash. Combien l'avez-vous payé? Non, ce n'est pas possible. Combien? Alors, il en voulait plus, mais enfin j'ai réussi à faire descendre. J'ai été obligée de lui faire le coup du charme. Je m'en sors encore très bien, vous savez. Enfin, Victoria, mais où avez-vous pu trouver une pareille somme? Chez Pradier, votre agent de change. Attendez, ne me dites pas que vous avez emprunté à Pradier. Écoutez, nous avons suffisamment d'actions en dépôt chez lui. Je lui ai dit, vendez. Mais vendez quoi? De vulgaires aciers, rien du tout. Quoi? Non, pas mes aciers. Non, Victoria, vous n'avez pas fait une chose pareille. Mais ne me dites pas que vous avez vendu mes aciers au moment où il faisait la grimpette. Mais si vous ne me croyez pas, téléphonez à Pradier. De toute façon, il ne peut rien sans un pouvoir. J'en avais ça. Comment, sans ma signature? Je l'ai imité. Non! Si! Alors j'ai eu un mal fou pour refaire votre petit paraffe. Alors maintenant, Léo chéri, il nous faut acheter plein de petits bidons pour y mettre tout notre petit pétrole dedans. Ne parlez plus de bidons! Ne me parlez plus de pétrole! Un morceau d'Orénoque infecté de moustiques, de coupeurs de tête inaccessibles! Voilà ce qu'on vous a refilé à la place de mes aciers! Non mais attendez, si vous voulez ma peau, mais dites-le! Bon, parfait, si vous me prenez sur ce temps, je vais revendre. Et à qui? À qui? Tous les fous ne se promènent pas en liberté, si vous voulez le savoir. Hein? Vous n'êtes jamais content. Je vous dis que cette concession est authentique. Alors,
Bon sang, ma pauvre amie, c'est ce que vous dites lorsque vous parlez de votre poitrine, hein? Et pourtant, nous savons tous les deux combien elle m'a coûté, surtout celui-ci, hein? Attention, Léon, vous devenez désagréable. Prenez au moins le temps de faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Du bois de chauffage? Léonard, je préfère vous laisser. Je vais défaire nos bagages. C'est ça! Bon anniversaire, vieux grognon! Monsieur n'est pas content de son cadeau. Oh, avec lui, c'est ton jamais, Thérèse. Monsieur? Quoi encore? Je voulais informer monsieur que j'ai déposé quelques prises urgents à traiter sur son bureau. Oui, c'est bon, Thérèse, merci, je verrai ça plus tard. Bon anniversaire, monsieur. Oh, oui, je le sens. Ma femme l'a déjà souhaité. Et vous savez ce qu'elle m'a offert? Non, monsieur. Une forêt vierge. Et où va-t-on la mettre? Alors, vous trouvez drôle? Absolument que j'arrive à me débarrasser de cette concession. Absolument que j'arrive à retrouver ma liquidité. Et pour ça, il faut absolument que j'arrive à trouver une foire. À ce propos, Madame Grévin s'est manifestée à plusieurs reprises. Mon Dieu, quelle idée! Mais comment viens-je pas penser plutôt bien sur Marie-Christine Grévin? L'idée est excellente. Thérèse, je double votre moi. C'est-à-dire, monsieur, qu'il y a un élément nouveau? Non, 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 c'est une excellente idée. Mais monsieur... Non, non, une femme facile à manœuvrer, suffisamment riche pour faire oublier qu'elle est complètement idiote, et qui plus est une cougar amoureuse de mon fils à un vrai régal. C'est que justement, monsieur Cédric est... Allô, Marie-Christine, Léonard Blémo à l'appareil, comment allez-vous, cher ami? Oui, très bien, très bien, je vous remercie. Dites-moi, nous sommes de retour de Paris, nous aimerions savoir si vous seriez disponible pour venir dîner ce soir. Oui? Eh bien, écoutez, parfait. Eh bien, à tout à l'heure, puisque nous sommes voisins. Voilà, à tout à l'heure. Thérèse, nous sommes sauvés. Monsieur, il faut quand même que je vous... Non, non, putain. Allez me chercher mon fils, Cédric. Il est avec sa femme. Avec qui? Avec madame. Madame qui? Madame Raymond. Alors, dans ce cas, pourquoi ne dites-vous pas qu'il est avec sa mère? Parce qu'il ne s'agit pas de la mère de monsieur, mais de sa femme. Ok, Thérèse, en voilà assez, je vous somme de vous expliquer. Monsieur est marié. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Cédric s'est marié, monsieur. Alors, écoutez, Thérèse, que ma femme m'achète une forêt vierge pour mon anniversaire, et en 47 ans, j'en ai vu d'autres. 57. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est votre anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Bon, ça va, ça va. Et que mon fils, qui a 40 ans, se marie à notre insu, alors là, c'en est trop d'années. J'en ai là. Eh oui. Bon, allez me chercher mon fils. Tiens, monsieur. Dois-je aussi guérir la femme de monsieur Cédric? Bon, elle est ici. Elle est dans la chambre de votre fils, elle prend une douche. Une femme que je n'ai jamais vue prend une douche dans la chambre de mon fils? Monsieur devrait comprendre, nous sommes au 21e siècle, des jeunes mariés. Oh, tout de même! Oh! Tiens, justement, voici madame. Oh, pardon. Monsieur, la femme du fils de monsieur, madame, le père du fils de monsieur. Écoutez, vous fichez-moi, pourquoi vous parlez? Vous parlez, vous fichez votre temps. Oh, papa, ça par exemple! Je suis enchantée de faire votre connaissance. Mélanie Ford, enfin. Raymond. Alors, madame, une simple question. Est-il vrai que vous ayez épousé mon fils Cédric? Ah ça j'en ai peur, enfin je veux dire que j'ai eu ce grand bonheur. Combien? Combien quoi? Combien pour divorcer? Ah, c'est impossible. Pourquoi cela? C'est un mariage d'amour, beau papa. Ne m'appelez pas, beau papa. Deveniez-vous grand-papa? Hein? Ne me dites pas que vous êtes déjà... Non, pas encore, mais le projet est allé dessus. Bon alors écoutez, je vous conseille d'y renoncer sérieusement parce que... Oui? Oui Charles? Déjà? Eh bien, elle n'a pas perdu de temps, celle-là. Merci, Charles. Bon, écoutez-vous, vous allez vous rhabiller, aller dans la chambre et ne sortez que lorsque je vous ferai signe. Désolée, mais j'ai promis à Cédric de rester à ses côtés et j'ai pour habitude de tenir mes promesses. Écoutez, madame, je vous conseille de faire très attention à ce que vous allez faire. Il veut me présenter à Marie-Christine. C'est pour cela qu'il m'a engagée, enfin, je veux dire, engagée à l'épouser. Si vous n'avez pas quitté cette maison d'ici 5 minutes, c'est moi qui me chargerai personnellement de vous mettre dehors. 1988. Championnat de France de judo, demi-finaliste et karaté. Yatsaka! 1998, championnat de France de tir, finaliste. Ah bon, non, suivez-moi. Suivez-moi, vite, je ne veux pas comprendre. Où ça? Suivez-moi. Vite. Bonjour, madame. Bonjour, Thérèse. Madame. Je disais, madame, a de rouler à tombeau ouvert. Est-ce un reproche? Oui, madame, car si madame avait eu un accident, nous eussions été inconsolables. Non, réellement. Attacherait-on un tel prix à ma présence ici? Ou un prix énorme, madame. Mais Thérèse, veuillez faire monter dans ma chambre la valise qui se trouve dans ma voiture. Merci. Bien. Ah,
chère amie, déjà, quel joie de vous voir. Oh, une joie partagée, mon cher Léonard. Si j'en avance. Non, non, c'est moi qui suis un petit peu en retard. Attendez-moi 5 minutes, je vous prie, vous êtes ici chez vous. Oui, je vais aller, si vous permettez, vous attendre près de la piscine. Vos roses anglaises sont un ravissement pour les yeux. Eh bien, écoutez, faites, vous savez où c'est. Allez-y, je vous en prie. Alors, vous êtes calmé, Léonce chérie? Non, non, je me serai calmé lorsque je me serai débarrassé de votre possession. Mais puis, dépêchez-vous d'aller vous changer. Marie-Christine Gréva vient d'arriver, elle restera là pour le dîner. Je me changerai après toi, oui, oui. Surtout comme ce petit animal m'a manqué. Cet animal n'est qu'une volaille. Oh, on puisse faire ce que vous voulez. Quick, devine qui est là. Maman, vous êtes rentrée? Oh, oh, mon chéri. Bonjour, mon poussin. Très bien, mon voyage. Épouvantable. Ton père n'a pas desserré les dents devant ton chauffeur. Je crois bien qu'il s'est endormi 3 fois. Rien de nouveau pendant notre absence? J'ai déposé le courrier sur le bureau de papa. Oui, j'ai vu ça. Nous avons reçu 3 lettres de ta sœur Juliette. Ma sœur est contente de son voyage. Enchantée, toujours au Brésil. Et toi alors, rien de neuf? Si, justement, une surprise. Ah, il a pensé à l'anniversaire de son papa. Va vite embrasser, il va être fou de joie. Moi, je vais promener Pouic-Pouic et à mon retour. Promis, mon chéri, on se dit tout. Pouic-Pouic, Pouic-Pouic, Pouic-Pouic. Oh, Cédric, Cédric, vous êtes là, mon chéri. Marie-Christine. Oh, mon Apollon, vous me subjuguez. Mais que faites-vous ici? Votre père m'a invité à dîner. Oh, mais si cela vous déplaît... Allons, allons, mon père a certainement ses raisons. Oh, et si nous barbotions avant le souper? Vous oubliez que la dernière fois que nous avons barboté, ça m'a coûté un maillot. Oh, allons, Cédric, vous savez très bien que si je me suis agrippée à vous, c'est que j'ai été prise de crampe, enfin. Oh, en tout cas, pas dans les mains. Vous êtes si taquin, Cédric, chéri. Allons! Ça non, je vous ai déjà demandé de ne pas m'appeler chérie. Vous savez que vous êtes vraiment le seul qui m'ait résisté aussi longtemps. Désolé, mais je n'ai pas besoin d'argent. Bon, alors ce truc. Enfin, vous êtes un garçon intelligent. Hein? Vous n'êtes pas de ceux qui s'en tigent d'un joli physique. Oui, c'est vrai. De ce côté-là, vous auriez une chance. Eh bien, soit, je suis ici. Mais toujours, je ne suis qu'une faible femme. Faites-moi rire. Vous, faible? Oh, vous êtes vexant, Cédric. Vous êtes peut-être du sexe faible, mais il faut croire que cela n'est pas suffisant pour moi. J'y mettrai peut-être le temps qu'il faudra, mais vous m'épouserez. Trop tard. Comment ça? Enfin, expliquez-vous, Cédric. Pourquoi serait-il trop tard pour que je vous épouse? Parce qu'il y a ici quelqu'un qui rend ce mariage impossible. Oh, mais... Non, attendez. Non, j'ai dit pas de mariage pour le moment, mais je ne suis pas un monstre. C'est vrai que tais-toi. Marie-Christine, soyez la bienvenue dans cette maison, vous faites décider mon tronc. C'est pas, tais-toi. Non, vous comprenez, Marie-Christine, j'ai dit pas de mariage. Ça veut dire pas avec n'importe qui, vous comprenez, cher ami? Naturellement, vous voulez d'un mariage avec une femme. Une femme? Une vraie, une femme robuste, hein, tu comprends, Cédric? Non, pas vrai, dis-toi. J'espère que vous nous ferez l'honneur de rester tout le week-end parmi nous. Je dois vous avouer que j'ai déjà demandé à votre gouvernante de monter mes bagages dans ma chambre. Et perspicace avec ça. Décidément, cher ami, vous avez toutes les qualités. J'ai fait refaire les peintures de votre chambre. Ouh. Et si ça ne vous plaît pas, hop, un coup de pinceau, on change tout. Hein, Cédric, avec ton pinceau, je le suis, alors. Et bien, c'est un bleu roi, un bleu canard, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est des animaux. Où allez-vous? Cherchez quelques affaires auxquelles je tiens. Vous allez revenir? Vous le voulez vraiment? Mais Marie-Christine est là, alors c'est le moment de frapper le coup décisif. Et de causer des tas d'ennuis à votre pauvre petit papa. Ah, mon pauvre père ne pense qu'à l'argent. Vous lui avez dit que nous étions mariés? Oui, mais alors là, il n'a pas du tout aimé. Voyez, au fond, je crois qu'il vous aime beaucoup, votre père. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Ah oui? Moi aussi. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Mais prête! Non, non, mais ça va pas, non! Mais vous, je vous avais demandé de me fiche le camp dehors! Justement, je sortais! Allez, dépêchez-vous! Mais je reviens! Oui, comptez, je tiens! 6! Foutez-moi le camp! Partez ici, viens ici! Tu sais qui est Mélanie? Oui! C'est ma femme, tu entends? Ma femme! Et tu n'as pas la fiche dehors! C'est toi que je la fiche dehors, je vais te déshériter! Oh. Assieds-toi! Assieds-toi tout de suite! Ah, tu vois ce que tu peux faire, mon cœur? Ah. Pas de chantage! Oui, c'est vrai, alors. Comment se fait-il que tu te sois marié dans notre dos? Coup de foudre!
bien sûr, on en reparlera. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Écoute-moi bien, j'ai besoin que jusqu'à ce soir, et tout le week-end s'il le faut, que tu restes vis-à-vis de Marie-Christine un jeune homme de bonne famille. Tiens, voyons, pour qu'elle puisse continuer à me draguer. Écoute, Cédric, je ne te demande pas ton avis, j'ai besoin qu'elle soit dans de bonnes dispositions. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour racheter une forêt vierge pleine de pétrole que ta mère s'est faite refourguer, qu'elle a payé le maximum. Et il faut absolument que j'arrive à me défaire de cette concession avant ce soir, sinon nous sommes ruinés. Maman est vraiment imbattable. Ah ça, il y en avait qu'une, il a fallu que je tombe dessus, ça. Mais tu l'adores. Oui, bien sûr. Oui. Ah, chère Marie-Christine, nous pouvons être ravissantes. Oh, trois fois rien, non. Juste une petite robe de chez Saint-Laurent. De chez Saint-Laurent. Allez, le Saint-Laurent mérite d'être s'asseoir. Asseyez-vous, je vous en prie, chère amie. Cédric, laisse-nous. Oh, bah. Ne le chasse pas. Il fallait que j'y aille, de toute façon. Mon père a une affaire à vous proposer. À votre place, je n'hésiterai pas. J'ai la concession exclusive. Vous avez entendu? Oh ben, j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Là! Ah non! Concession exclusive d'un territoire situé en Amérique du Sud, près des sources de l'Orénoque. Bosotajo en est le nom indien. Ah, et alors? Savez-vous ce que renferme le sous-sol? De l'uranium. Non, du... Du? Du... Oh, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Du... Oh, du pétrole! Vous arrêtez, c'est pour ça! Mais, en quoi puis-je vous être utile? Je vous cède l'affaire. C'est un coup énorme, gigantesque, mais pour ça, il me faut une femme d'action. Pas une midinette, une femme carrée, une femme qui sache prendre des décisions, une battante, une meneuse, bref, une femme comme vous, Marie-Christine, un petit whisky, Marie-Christine, un petit whisky! Volontiers! Mais ce pétrole, il existe vraiment? Non mais dis donc. Et que vous n'avez pas confiance en moi? Léonard Brémond, le père de Cédric Brémond? Et vous vous êtes rendu sur place? Oui. Enfin non, mais j'ai pris mes dispositions. Un vieux grenage, Marie-Christine. Pourquoi toute cette cachotterie? C'est votre fille, n'est-ce pas? Attendez, comment ça, ma fille? Eh bien, elle est en voyage au Brésil depuis plusieurs mois. Et les dernières nouvelles que vous avez reçues d'elle venaient bien d'Amérique du Sud. Oui, alors? Alors? Ne jouez pas avec moi, j'ai tout compris. C'est vous qui l'avez envoyé là-bas pour acquérir cette concession. Magnifique. Mais vous êtes magnifique de perspicacité, j'aurais jamais pensé à ça. Comment ça? Ouais, je veux dire, j'aurais jamais pensé que vous puissiez faire le rapprochement. Alors l'affaire est faite, Marie-Christine. Un petit grenage, Marie-Christine, un petit grenage. Attendez. Nous sommes de relations récentes. Je ne connais pas encore cette jeune fille. Non, il serait bien que votre fille rencontre mes experts. Vos experts? Pourquoi pas un sourcier, tant pis être? Bah, écoutez, enfin, il est normal que je me fasse une idée sur votre fille et sur la valeur de ses informations. Ouais, écoutez, n'en parlons plus. Oh, mais enfin... N'en parlons plus. S'il faut que vous rencontriez ma fille pour me faire confiance, n'en parlons plus. Mais n'en parlons plus, je vous dis, n'en parlons plus. Mettez-vous à ma place, en fait. Ah, ma fille! C'est ma fille, Mélanie, ma belle femme, chérie! Ma fille Mélanie, de retour me voir. Oh, regardez-moi cette mine superbe. Ça, c'est l'air de la brousse, ça. Ah, Mélanie. Je vous présente Mélanie qui rentre d'Amérique. Hein? C'est elle qui sait tout au sujet du pétrole. Du pétrole, du pétrole. Parce que c'est madame Marie-Christine Grévin. Voilà. Madame Grévin, je suis enchantée de faire votre connaissance. On m'a tellement parlé de vous. Ah oui. Oh, oui, en fait, non. Mais non, c'est son frère qui lui écrivait beaucoup. C'est étrange tout de même. Vous n'êtes pas beaucoup bronzé. Oh, vous savez, le sombrero, ça fait parasol.
Et je vous prie de bien vouloir m'excuser quelques instants, cher ami. Quelques mois, ma fille. Si je comprends bien, j'ai changé d'emploi. Mademoiselle, oublions le passé, j'ai besoin de vous. Une simple question. Avez-vous fait la rencontre de ma femme? Pas encore. Je n'ai pas eu l'honneur d'être présentée à belle-maman. Non, mais dis donc, je t'en prie. Avec une belle, si. Oui, bon, alors. Vous verrez qu'elle croit rêver, elle peut être, pour des escrocs. Oh. Alors, vous avez fini, papa? Ma chère. C'est en bonne voie. Victoria, Victoria, venez ici, et tâchez de caser au mieux ce que je vais vous dire. Oui, Léo. Non, Victoria, pas oui, Léo, c'est un oui mou. Vous avez le oui mou, là. Oui. Le oui mou. Oui, Léo, je veux un oui carré. Oui, Léo. Voilà, elle a le oui mou. Elle a le oui mou, alors attendez. Alors, écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Madame Mélanie, Mélanie comment? Oh. Ah, vous êtes sa nouvelle secrétaire. Non, Mélanie est la femme de notre fils Cédric. Ah bon? Parfait. Oh, attendez, attendez, comment ça va parfait? C'est tout ce que vous pouvez à dire. Écoutez, Léo, je sais très bien que mon fils n'est pas marié, il me l'aurait dit, je suis sa mère. Eh bien, justement, oui, il l'est. Il l'est. Et madame sera désormais Mélanie Brémond. Oh, mais c'est merveilleux, mais il faut que je vous embrasse. Oh, mais Cédric a très bon goût, vous ne trouvez pas, Léo? Et vous êtes heureuse, non? Oh, une mère sent tout de suite ces choses-là. Vous êtes contente parce que... Oh, mais il faudrait être difficile, on me gâte. Non, non, ça va, ça va. Écoutez-moi. J'ai décidé de revendre l'Orénoque à Marie-Christine Gréva. Ah non, c'est de l'escroquerie, vous l'avez toujours dit. Oui, mais je vais le faire quand même. Ah bon, parfait, parfait. À ce propos, Mélanie prendra la place de votre fille Juliette. En Amérique du Sud? Mais bon, enfin ici! Oh, Léo, 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 Léo! Mélanie est votre fille! Oh, mais c'est pas gentil, elle va venir me voir plus souvent, alors! Enfin, dis oui, ça suffit! C'est elle! Elle sait que le pétrole existe, elle sait tout du pétrole. Alors, qui avait raison? Et vous voulez quand même... Vous voulez quand même vendre votre pétrole à Marie-Christine? Mais c'est insensé comme histoire. Vous ne faites aucun effort, mais aucun effort! Vous mélangez tout à plaisir! Et dont l'affaire vous intéresse? Oh, mais je vous dirai cela lorsque j'aurai pu m'entretenir avec votre sœur. Elle est revenue? Mais oui, oui, elle est en face de vous. Alors, attendez. Léo, ne me brusquez pas. D'accord, d'accord. Ah, alors, en somme, Mélanie et ma fille. Voilà. Oh, mais c'est très bien, vous êtes charmante. Merci, belle-maman. Oui, vous avez l'habitude de l'appeler maman. Ah ben oui. Oh, pardon, papa. Comment, papa? Cédric. Oui, papa. Cédric, regarde qui est de retour. Ta soeur Mélanie, embrasse-la. Salut, maman. Comment ça va? Mais enfin! Il a horreur qu'on l'embrasse! Alors c'est de là quand il commence, vous savez. Oh, voyez Marie-Christine, quel joli couple, ils forment tous les deux! Oui! Toutes mes félicitations, Victoria, vous avez de très bons enfants! Bien, maintenant que les présentations sont faites, si nous parlions de l'affaire qui nous préoccupe. Ah, mais très volontiers! Asseyez-vous, Marie-Christine. Madame, il va falloir que vous vous décidiez très rapidement, car sans l'insistance de mon père, je signais demain avec Guillaume Vermeil. Non, le fils du professeur Vermeil? Oui, vous connaissez? Oh, qui ne connaît pas? Vous savez, j'aime les affaires rapidement exposées et vite signées, n'est-ce pas, papa? Oui, oui, c'est bien. Vous avez votre chéquier? Dans mon sac. Eh bien, prenez-le. Votre fille me fait la meilleure impression. Avec elle, nos pétroles sont en bonne main. Nos pétroles, Marie-Christine, vous avez dit nos pétroles. Voilà qui est bien parlé, nos pétroles. Des millions d'hectolitres de pétrole. Des millions. Au fait. Oui. Vous en voulez combien? Alors, pour vous, mais vraiment parce que c'est vous. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le magnifique lion de la Pampa.
chérie, mais c'est merveilleux. Deux filles dans la même journée, je suis bien fière. Quand tu dis deux filles, maman. Blondet, sortez-moi de là, Eh ben alors, elle va pas nous faire sa crise de jalousie maintenant qu'elle est rentrée. Elle va la retrouver, sa paire de filles, chérie. Moi, je veux apprendre les coutumes françaises. Ah, la France, il la donne. Les Françaises sont merveilleuses. Il y a urgence, dépêche-toi de m'emmener Marie-Christine, moi d'ici. Fais ce que je te t'emmène là, moi d'ici. Marie-Christine! Oui. Que diriez-vous d'un député de tête? Mais, enfin, je croyais que... Après toutes ces émotions, un plongeon fera du bien. Je vous rejoins, je vais mettre mon maillot. Et moi, je vais laisser mes instructions pour le dîner à Bernadette. C'est ça, faites vite, dépêchez-vous. Thérèse ! Thérèse ! Monsieur ! Thérèse, veuillez accompagner monsieur dans le pavillon des invités, voulez-vous ? Dans les pavillons ? Marquez, c'est la grande accouille ! Qu'est-ce que vous dites ? Si, c'est la grande accouille ! Qu'est-ce qu'il dit ? Monsieur veut certainement dire que c'est le grand accueil. Ah, dépêchez-vous. Débarrassez de cette hurluberlue, dépêchez-vous. Bien, monsieur. Si monsieur veut bien me suivre. Si, marquez, vous ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, elle vous suivra. Ah. Oh, tout à l'heure, il y a mal. Bon, alors papa, maintenant, tu vas t'expliquer. Tu verras, oui. À propos, avec ton entrée, tu aurais pu tout faire capoter. Mais quoi, je voulais vous faire une surprise. Ah, mais c'est un triomphe. Tu vas te dépêcher de m'envoyer ce gigolo dans ce quartier réservé, hein. Pablo n'est pas un gigolo. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Le fils d'un général. Oui, rencontré dans une ville de garnison. Ben voilà, tout de suite. Alors où ça? Au Venezuela. Mais où, au Venezuela? À Caracas. C'est la capitale. Oui, bien sûr, dans une boîte de nuit. Ah, ça y est. Voilà, tout de suite. Oui, bon, tu ne changeras jamais, de toute façon. Et toi? Et toi, c'est quoi cette seconde sœur, là, que tu m'as trouvée? Justement, je voulais t'en parler. Allez, viens suis-moi, Caracas, tu parles. Mais oui, je t'assure, moi, j'ai surtout besoin que tu me parles de l'Orénoque. De quoi? De l'Orénoque. Comment, tu es dans la mer du Sud ou pas? Alors, tu vas savoir ce que c'est que l'Orénoque. Alors, vous, si vous n'êtes pas capable de tenir le rôle que je vous ai donné, vous pouvez filer, hein. Oh, alors, mon ange, ne soyez pas égoïste. Papa avait besoin de moi. Moi aussi. Ce n'est pas en retrouvant une sœur, là où j'avais laissé une femme qui arrange mes affaires, au contraire. Faux, vous savez, ça se vaut. De quoi ai-je l'air, moi, maintenant? Comment faire croire à mes parents que nous nous adorons si vous acceptez que Marie-Christine continue à me draguer? Le bateau coule, Cédric, enfin, ayez l'esprit de famille. Fichez-moi le camp! Et sur un autre ton, n'oubliez pas que c'est moi, l'aîné de la famille. Vous êtes nul! Vous savez que j'en ai giflé pour quoi que ça? Vous êtes nul! Vous savez que j'en ai giflé pour quoi que ça? Oh, ma chère amie, mais vous êtes ravissante, même en peignoir. Vous trouvez? Alors, rien de ma vie, mais très fort, rien, non. Juste un petit peignoir de chez Chanel. Ah, de chez Chanel, tout de même. Bon, j'ai dit qu'on ajoute deux couverts pour le dîner. Je pense que nous allons passer un merveilleux week-end. Victoria. Oui. Victoria, une chose m'étonne. Une seule chose? Ma chère amie, vous êtes vraiment très raisonnable. J'ignorais que vous aviez deux filles. Oui. Mais je vais vous dire, nous ne vous disons pas tout, Marie-Christine. Enfin, elles ont toutes les deux effectué le même voyage et jusqu'à présent, il n'était question que d'une seule. Certes, certes, mais nous les confondons dans la même affection. Mes enfants sont tout pour moi, tout comme Léo. D'ailleurs, je ne voudrais pas qu'il ait un jour à regretter un geste. Marie-Christine, vous n'avez pas envie d'acheter notre concession? Mettons que je demande à réfléchir. Marie-Christine, ne l'achetez pas. Je tiens à ce que Léo la garde. Non, vraiment. Vraiment? Le pétrole, ça m'est égal, voyez-vous. Mais nous pourrions garder le terrain pour y faire construire une petite maison pour les vacances. Bien sûr. Oh, vous voyez, un tout petit pavillon. Bien sûr. Bien sûr. Bon, il suffisait de le demander. Ça avait l'air de bien s'amuser à la piscine, hein? Ah, qui c'est la père Amina qui pousse Juliette dans l'eau? C'est Mélanie, notre aînée, sa grande sœur, une femme brillante. Marie, elle m'avait parlé d'elle. Ah, avouez que c'est étrange tout de même. Oh, petite jalousie entre sœurs, rien du tout, rien
Si, je vois. Juliette m'avait dit que c'était la grande patronne ici. Celle que son papa, il faisait rien sans vous demander son avis. Ah ben, mais pas du tout, pas du tout. Juliette est restée une grande enfant, tandis que Mélanie réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est une femme d'affaires née. Si, si, je comprends. Mélanie, elle est la grande patronne, voilà. Et Juliette, elle est la sous-fifre. Bien, si vous permettez, et compte tenu de l'heure, je vais aller me préparer pour le souper. Hein. C'est ça. Allez, non, vous rhabillez, oui. Allez, vous aussi, jeune homme, c'est un peu court. Je tenais à vous remercier pour la chambre. Vous pouvez, les lits sont bien douillés. En tout cas, il est moins grand. Et moi, il risque d'avoir froid. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous avez à disposition une bouillotte électrique dans la penderie. Alors, vous verrez au début, ça électrise un peu, puis ensuite, ça commence à picoter, puis ensuite, ça chatouille. Chez nous, il y a même le proposerait de mettre une bouillotte dans son lit. Est-ce une grave insulte? C'est curieux, chez nous, ça se fait couramment, pourtant. Bon, très bon, c'est pour la bouillotte. Ah. Mais je vais vous montrer quelques pas de danse de chez nous pour vous réchauffer. Oh, très volontiers. Allez-y, je vais passer devant. Victoria vous... Victoria vous savez où se trouve notre fille? Derrière vous. Mais non, je ne parle pas de l'autre, de Juliette. Elle se change. Va me chercher ta sœur, toi. Mais non, par vous, bouge, vous vois, toi. Moi? Mais oui, qu'est-ce que tu vois, je ne vois pas, tu... Ah. Vous croyez qu'on va s'en sortir? C'est mal parti. Vous avez une idée? Je ne veux pas à liquider cette concession avant ce soir. On pourrait dire que nous allons finir sur la paille. Bien sûr que j'ai une idée. Ah. Mieux qu'une idée, un scénario. Allez, voilà. Je vais le demander, papa. Oui. Reste avec vous. Écoutez-moi bien. Nous allons passer à l'opération. Marie-Christine, faut que tu signes. Alors, dans quelques instants, c'est l'heure de l'apéritif. Quand Marie-Christine sort, on l'opère. Et pour cela, j'ai un plan. De quelques hectares de forêt vierge, ça, nous le savons. Non, j'ai un plan d'attaque. Il ne peut pas, il ne doit pas échouer. Alors, pour cela, Juliette! Juliette, toi, tu feras en sorte de ne pas être d'accord avec Mélanie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que furieuse d'avoir été tenue à l'écart, par cette concession bienfique dont ta sœur n'a parlé qu'à moi. Ah, alors là, il faudra vraiment que je sois très en colère, hein, papa? Voilà, d'accord. Bon, c'est clair? C'est très clair. C'est très clair. Très clair. Bien. Alors, Mélanie, vous imposerez le silence à Juliette. Et d'une façon ferme, hein, efficace. Vous êtes une battante, une meneuse. Hein. De plus, vous répondrez aux questions de Marie-Christine sans toutefois, attention, prendre de risques inutiles. Ah, les grandes voyageuses sont rarement bavardes. Non, c'est pas ce que je veux dire. N'allez pas vous lancer dans des salades dont personne ne vous sortirait. Enfin, Juliette pourrait quand même donner quelques détails. Mais non, moi j'étais à Rio de Janeiro. Mais bon, bien sûr. Cédric, toi, tu es Latoucha. Et le Justin Bieber. Toi, tu opères le sujet. Tu l'endors juste avant l'opération. Et s'il y a le moindre problème, la bouche en cul de poule comme pouic-pouic. Bonne chance, on va vous prendre. Bien de la parole. Oui, mais enfin, n'exagérons pas tout de même, mon papa. N'oubliez pas que c'est mon mari. Ça va, ne mélangeons pas les sentiments et les affaires, je vous en prie. Bon, quant à moi, je mènerai les débats jusqu'à la signature finale. D'accord? Bon, pas de questions? Pas de questions! Cédric, où est ta mère? Je crois qu'elle est toujours avec le président. Parfait, comme ça, ça lui évitera de m'agiter dans le parc. Du naturel. Je veux du naturel. Allez, du naturel. Faites comme si rien n'était. Ah! Cette chère Marie-Christine. Dieu que vous êtes ravissante. Oh, trois fois rien, non. Juste une petite robe de Christian Lacroix. Oh. Une merveille. Une pure merveille. Oh, vous êtes gentil. Nous allions prendre l'apéritif, mais Cédric a tenu absolument à ce que nous vous attendions. Est-ce pas vous autres? Oui, il a dit, oui, je n'ai pas possible. Monsieur, venez vous asseoir à côté de moi. Cédric, chérie, quelque chose ne va pas. Alors, Marie-Christine, qu'est-ce que ça sera pour vous? Un whisky, un Alexandra, un truc vraiment spécial. N'en faisons pas trop tout de même. Enfin, je veux dire, chacun aura le sien, hein?
whisky, s'il vous plaît, on the rock. Comme vous pouvez le constater, Marie-Christine, on vous garde. Oui. L'hospitalité des gens du Sud. Mais oui, bien sûr. En parlant de ça, vous savez que Juliette et Mélanie reviennent d'Amérique du Sud. Oui. Et tandis que Juliette se reposait... à Rio de Janeiro. Voilà. Mélanie, toujours battante, meneuse, efficace. Tu me gênes beaucoup. Mais non. Pousser des pointes vers des régions inexplorées, qui ont engorgé de trésors fabuleux, de richesses incroyables, et trouver ce que vous savez, là où vous savez, sans rien dire à personne. Sans rien dire à personne. Oh! Mais qu'est-ce que j'apprends, Mélanie? On me tient à l'écart, on me traite comme une pestiférée. Je n'aime pas ça, Mélanie. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de crier comme ça? C'est pas comme ça. Et puis, pas de whisky. Et je n'aime pas me répéter. Votre aînée a décidément une forte personnalité. Ah oui, oui, ça c'est une battante, c'est une meneuse. C'est la femme que les Indiens appelaient... Comment ils t'appelaient les Indiens? Mais je ne sais pas, moi j'étais à Rio de Janeiro. Il m'appelait... Comment? Il m'avait surnommé... Et ma toquette dans la cucaracha que je vous parle, qui est donc une bonne dans le café, car on te donne pour vous chercher la concession pour les pétrons, tout à la que vous êtes en train de la gueule. Ce qu'ils ont sous les pieds. Des millions d'hectolitres de pétrole, Marie-Christine. Ah bon? C'est du pétrole? Enfin, Juliette, et toi, enfin! Une fuite et c'est le marché qui s'effondre, enfin! Et moi qui ne doutais de rien. Et moi qui étais à... La Rio de Janeiro, comme ça. Alors, nous avons là la concession exclusive, Marie-Christine, de ce que vous savez. Que c'est joli! C'est Tipeee, vous ne trouvez pas, Marie-Christine? Tipeee aussi! Eh bien, je vous avoue que je suis un peu déroutée. Enfin, je m'attendais à trouver un titre de propriété un peu plus... classique! Avec des signatures, des timbres fiscaux et des tampons partout, partout! Hein? Éventuellement, oui! Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai trouvé du pétrole place de l'Opéra? Non, enfin, vous voyez bien qu'elle n'est pas intéressée! Enfin, Mélanie, Marie-Christine n'a pas dit son dernier mot. Alors, je vous connais. Et ce petit froncement de sourcils me dit que vous êtes très intéressée. Et bien sûr qu'elle est intéressée. Mais Marie-Christine, vous êtes intéressée? Des millions d'hectolitres de pétrole. Mais où sont-ils exactement, ces millions d'hectolitres? Où sont-ils? Où sont-ils? Eh bien, cela se situe, n'est-ce pas, entre le Venezuela et la Colombie. Sur un territoire qui appartient aux Indiens, les... Ah oui, oui, les fameux bossos. Ta gueule. Pardon. C'est ta gueule. Ta joue. Oui, ta joue. Et vous vous êtes aventurée là, toute seule? Oh, bah... Ah, mais oui. Oui, parce que moi, j'étais à Rio de Janeiro. On ne sait pas. C'est-à-dire que... T'as vu... J'avais un guide, n'est-ce pas? Mais il est mort. Oh. Mangé par un boa. Oh! Pauvre homme, c'est une fin pénible, c'est... C'est atroce! Oh, un boa qui vous mange, c'est atroce! Bon, le sous-sol est riche, soit. Mais ces Indiens, comment vont-ils nous accueillir? Comment? Prosternés! J'ai sauvé la vie du fils de leur chef. Oh. Voisin de Croix-Rouge française, ça aide. C'est la raison pour laquelle ils m'ont offert cette concession en guise de remerciement. Vous savez que vous avez de la chance. Oui, mais enfin... Mais vous avez de la chance que mes capitaux soient engagés ailleurs. Parce qu'au prix où je vous cède l'affaire, Marie-Christine, c'est un véritable cadeau. Alors, Marie-Christine, oui, non, prenez des décisions. Marie-Christine, vous ne refusez. Mais c'est-à-dire que ça n'a aucune espèce d'importance. Mais j'aime les femmes qui prennent des décisions rapides. Allez, Marie-Christine, Marie-Christine. Eh bien, soit. Vous m'avez convaincu. Cédric, chérie, passez-moi mon sac. Des millions, Marie-Christine. Des millions d'hectolitres de pétrole, bien sûr. Et alors, au fait,
voulez combien? Alors pour vous, mais vraiment. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Alors, Mélanie et Pablo se promènent au clair de lune, et toi, tu ne dis rien. Ah, moi, je dis rien, je m'en fous complètement, alors là. Mais c'est ta femme, oui ou non? Ah, oui et non. Pour ça, oui et non, tu as des vues sur Marie-Christine? Ne lui donne pas de sottises. Elle sait très bien ce que je pense d'elle. D'ailleurs, elle est encore au téléphone. Je sais. Elle cherche à obtenir son chargé d'affaires. Et quand elle l'aura obtenu, elle saura quoi penser de notre concession de pétrole. Tu sais que tu aurais mieux d'accepter sa proposition de mariage et te mettre à l'abri. Eh bien, moi, je préférerais faire un mariage d'amour. Tu sais qu'elle est pas si mal, ta Mélanie, au fond. Tu trouves? Mais oui. Bah oui, sinon pourquoi tu l'aurais épousée? Oh, ça serait trop long à t'expliquer. En attendant, mon Pablo, j'y tiens. J'y tiens même beaucoup. Ouais. Eh bien, il faudra pourtant que tu chasses sur notre territoire. Papa, je veux retrouver mon fiancé et tout de suite. C'est ton fiancé, je t'en prie. N'utilise pas des termes qui dépassent ta pensée. Mais il me plaît, quoi? Dans ce qu'on dit, mon amant. Ah non, pas encore. Ou alors c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez ce garçon. Papa, je pourrais au moins lui dire que Mélanie est la femme de Cédric. Oui, bien sûr, pour qu'il aille tout répéter à Marie-Christine. Fais ça et je te déshérite, tu entends? Et toi, tu ne peux pas surveiller un peu ta femme, non? Ah, c'est ça! Je dois jouer des maris jaloux quand ça t'arrange! Oh, écoutez, pour l'instant, j'ai d'autres chapitres. Où est ta mère? En cuisine. En cuisine? Mais pourquoi est-elle toujours en cuisine? J'ai jamais su cuisiner, en plus, on est une cuisinière! Déjà de retour? Nous pensions que vous campiez? Sans doute la rosée vous aura peut-être fait renoncer à ce charmant projet? Mélanie, elle m'a montré d'où il y avait des champignons. Des champignons! Dans cette tenue! Et pourquoi? Il ne te plaît pas, ma chère? Je n'ose imaginer ce que l'on voyait quand tu te penchais pour ramasser des champignons! Bon, alors la petite sœur, tes soupçons sont injustifiés, j'ai l'esprit de famille. Ça va, toi? Pas moi, hein? Et à moi, encore moins! Juliette! Tu ne m'avais pas dit que tu avais une sœur. Ça, c'était pour la petite surprise. Hein? Tu ne m'avais pas dit pourquoi tu la souffres. C'est elle la grande ici. Non, mais là, ça suffit, Pablo. La souffifre. La souffifre. Entendons ça dans la maison qui vous a vu naître. Non, mais il faudrait voir à pas pousser, hein. Je crois qu'il soit
Justement, j'ai rapporté une guitare. C'est pratique, une guitare. J'ai connu une femme qui avait étranglé son mari infidèle avec la corde de sol. Salaud! Salaud! Embrasse-moi! Mais sa mère, elle se brûle comme le Venezuela. Vous êtes vénézuélien, vous? Si, te quiero. Te quiero. Pauvre Juliette, elle avait dû imaginer son retour tout autrement. Ça veut dire qu'il y a te veut. Il y a te veut. C'est quelque chose qui est très gentil, mais. C'est Juliette qui te gêne. Entre vous, elle n'a pas l'air de vous gêner. Les trompettes sont devenues plus chaudes. Mais il y a toujours fraîche par ici. Il y a toujours chaud. Il y a des caleçons. Qu'est-ce que tous les mois? Tout fait-il. Allez, envoyez une carte postale à votre petit papa. Il doit s'inquiéter. Il y a mon papa qui est tout embrassé pour moi. Oh, mais s'il a le même tempérament que vous, ce ne serait pas prudent. Allez, allez. Ah, toi, ma coquille. Oh, votre sang, c'est une révolution! Je n'ai fait que lui montrer les champignons vénéneux! De toute façon, cela n'a plus aucune espèce d'importance. Vous savez, il m'est difficile de jouer avec le même bonheur. Une épouse, une sœur et Dora l'exploratrice! Je fais pas mieux, je vous assure! Sortez d'ici! Sortez d'ici! C'est tout de même incroyable de ne pas pouvoir joindre Ajaccio. Cette communication est donc si importante? Oui, oui, vraiment quelqu'un de très compétent. Et pas vous? Mais si, bien sûr. Mes deux avis valent mieux qu'un. Ah, l'argent, les affaires, je ne parle que de ça dans cette maison. Décidément, les femmes d'aujourd'hui sont pires que les hommes d'affaires. Ne généralisez pas. Vous avez toujours votre yacht? Oui, oui, et votre cabine vous y attend. Pouvons-nous partir demain? Vous et moi? Seuls? Mais quelle question, Cédric chéri! Nous avons enfin vu clair en vous! Je n'aurais jamais cru que cela puisse arriver si vite. Mais il arrive toujours un moment, ne vous l'avais-je pas dit? Elle est ironique, crispante. Me traite comme un petit garçon, elle se conduit en territoire conquis. Oh, c'est donc ainsi que vous me voyez? Comme une battante, hein? Oh, 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 Léonard, vous tombez bien. C'est facile. Cédric m'a convaincu. Oui, je suis la businesswoman la plus en vogue, une battante. Pourquoi n'achèterais-je pas votre concession? Mais bien sûr, malgré tout, des millions, oui. Des millions d'hectolitres de pétrole. Extraordinaire. Thérèse! Thérèse! Monsieur? Thérèse, faites porter une bouteille de champagne et de coupe dans mon bureau, je vous prie. Il était au frais, monsieur, à tout hasard. Merci. Une bouteille de Dom Pérignon. Parfait, merci. Si vous voulez bien nous passer à côté, oui. Cher ami, nous allons aussi. Allons-y. Des millions, alors Marie Christine, vous allez voir des millions d'électrolytes de pétrole de partout. Ça gicle de partout. Oh. Tu vois que c'était pas si difficile que ça, espèce de transperge. Alors, c'est arrangé avec Marie Christine? Merveilleusement. Cédric, écoutez. Je vous rends votre liberté. Je pars demain avec Marie-Christine. Excusez-moi, mais pour aller au bureau de monsieur, il faut passer par ici. Fantaisie d'architecte. Si je comprends bien, je suis licenciée. Exactement. Dommage. Le spectacle de vos incohérences me réjouissait beaucoup. Demain, vous serez loin. Ce qui peut m'arriver n'a pour vous aucune importance. C'est vous qui le dites. Je reste persuadée que vous vous jetez dans les bras de Marie-Christine pour ne pas tomber dans les miens. C'est d'autant plus dommage que je commençais à vous aimer vraiment, Cédric. Un bouchon cassé net, vous débutez le champagne. Je vais chercher la pince. Je me ravis de la prendre. Je tiendrai madame et monsieur au courant. C'est ça, faites donc cela. Bon, vous en mangez pas. Mais je ne quitterai cette maison que si vous me promettez de ne pas faire de bêtises avec Marie-Christine. La pince avec les brosses à revenir. Thérèse, ce manège va encore durer pendant longtemps. Aussi longtemps que ce bouchon, monsieur. Bon, grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas fait pour un mariage d'amour.
Vous m'avez au moins rendu ce service. Vous êtes vraiment un homme orgueilleux et imbécile. Si c'était mon seul défaut. Oh non, je reste persuadée que vous en avez des tas. Mais dites donc, vous avez fini de passer au rayon X? Non mais c'est vrai après tout, une femme que je connais à peine. Eh bien, vous savez que je ne suis, vous savez déjà que je ne suis ni votre sœur ni votre épouse. En comparaison de ce que savent les autres, c'est déjà énorme. Le liège s'effrite, un dimanche devient nécessaire. Thérèse, c'est horripilant. Oh monsieur, vous savez pertinemment que je ne suis pas de celles qui renoncent facilement. La pauvre, elle n'a vraiment pas de chance. Alors je pars quand? Tout de suite? Ce soir, personne ne comprendrait, tandis que mon père ait son chèque. En parlant de ça, vous n'oublierez pas le mien. Vous ne manquez pas de tout, père. Marie-Christine va quitter votre vie définitivement, croyez-moi. Vous vous réveillez un peu tard. Ma! Que me dit-il d'avoir-t-elle? Voyez-vous ce que je vois? Je vois même ce que vous pensez. Mais ciel, mais maravillosa, mais unique amour, te quiero, y a ta voix. Je vous en prie, monsieur, pas devant mon mari, hein? Non, laissez, je vous en prie. Mais pourquoi me faites-vous cette blague? Tire-bouchon, pardon. Pas une blague, monsieur est mon mari. Pardon, monsieur l'agent, excusez-moi, il faut que je... Ma petite Mélanie, j'ai besoin de vous. Ah oui? Oui, figurez-vous que Marie-Christine est prête à signer, mais il lui faut des informations supplémentaires, et moi, Lorino, que... Ah, parce que vous croyez que moi... Oui, mais enfin, on serait deux, on serait deux, hein. Oui. Venez, suivez-moi, cher. Et deux. Ok, c'est vrai ce qu'elle a dit? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette combination? Et je vous conseille de ne rien dire à Marie-Christine, autrement je vous casse la gueule. Si. Puis elle vient faire partie de la conspiration, mais pourquoi? Mon père traite une affaire avec Marie-Christine. Comme Marie-Christine est amoureuse de moi, il vaut mieux pour l'instant qu'elle ignore mon mariage avec Mélanie. De gros capitaux sont en jeu. C'est gros, c'est que ça? Si. Alors, est-ce que Marie-Christine la plus grande à qui a sa spécétas? Qu'est-ce que c'est? Qui a crié? C'est seulement la bouteille de champagne. Seulement? Vous n'en avez pas? Elle meurt trop tard. Heureusement que le champagne ne lâche pas. Pas la situation, vous, hein? Ah, pauvre Marie-Christine, poussez-vous! Pablo va s'occuper de vous! Ah non, Pablo, ça ne va pas recommencer! Laisse-moi, quand on a une femme qui souffre, il faut de la chaleur masculine! Mais c'est sûr que vu ta tenue, tu vas pouvoir lui en donner beaucoup de la chaleur masculine! Ah! J'ai les yeux qui me brûlent! Il y a une bouillotte qui picote et qui brûle dans ma chambre! Non, ma venga, venga! Et qui reste tous là, à brûler comme un troupeau de vaches? Allez, va ça! Abandonnez nos placés, c'est tout joli! Si! Je trouve qu'il est bien serviable! Victoria, ça sent le brûlé! Ah, vous trouvez que ça va si mal? Non, dans la cuisine, ça sent le brûlé! Mon Dieu, mes crêpes! Cédric! Papa! Et la bouillotte là, très dangereuse. SOS, Marie-Christine va me récupérer ça immédiatement. Non. Immédiatement. Désolé, mais ma femme ne marche plus, n'est-ce pas, chérie? Mais absolument. J'en ai assez de voir cette vieille rombière tourner autour de mon mari. En parlant de rombière, j'en connais d'autres qui piquent. Mais les copains, les copines, je ne veux désigner personne, mais suivez mon regard. Non, mais en somme, ça s'arrange pour tout le monde, sauf pour moi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais moi, je suis toujours toute seule. Oh! Au moment où elle allait signer, elle était le mieux disposée. Elle avait libellé le chèque, il manquait que sa signature. J'aurais pu lui vendre la tour Eiffel si j'avais voulu. Bon, moi, je vais me coucher, hein. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Je t'accompagne. Vous verrez, mon papa, les choses finiront par s'arranger. Oui, bien sûr. Bon, écoute-toi, débrouille-toi comme tu veux, mais tu as intérêt à me récupérer, Marie-Christine, dans les plus brefs délais. Non, mais il n'y a pas de lézard avec Pablo, papa. Oh. T'inquiète pas. Non, mais on a eu quelques mots à cause de Mélanie. Alors maintenant, il me fait enrager avec Marie-Christine. Mais il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de bobo, tu penses, je connais bien. Bah oui, le fils d'un général de la mère de société, hein, bien sûr, oui. Je te donne 10 minutes. J'ai fini d'éponger, monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'on veut que ça passe? Oui, 13, 9 minutes 30. T'es
10 minutes. Une forêt vierge, mademoiselle. C'est quand même bien délicat. Mais pas insurmontable. Thérèse, savez-vous où se trouve le matériel de Sylvie de mon frère? Oui, mademoiselle, il est dans la remise. Je vais le chercher. Prévenez mon frère. Dites-lui de descendre immédiatement. Viens, mademoiselle. Voilà, voilà, chaud devant chaud. Alors, qui mange mes crêpes? Ah ben, il n'y a plus personne. C'est charmant. Au moins, petit Figou n'est plus mal tout l'après-midi. C'est pas grave, je vais manger tout seul. Ils sont tous partis, mon merci. Ne t'inquiète pas, maman. Ils vont revenir. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu bricoles? Un petit court-circuit. Tout va s'arranger. Ah, parce que tu dis qu'on est en électricité, toi. Non, mais j'improvise. Mmh. On va la faire, ta crêpe partie. Ah oui, d'accord. Bon, va me chercher Marie-Christine et Pablo. Mais qu'est-ce que... Mais tu crois peut-être que Marie-Christine préférera laisser Pablo et préférera mes crêpes à Pablo? Mais je compte sur toi pour la décider. Qu'est-ce que tu mijotes, Juliette? Ordre supérieur. Mmh. Faire signer son chèque à Marie-Christine. Et comme ça, après... J'aurai les mains libres pour récupérer mon Pablo et papa ne pourra plus rien dire. Oh, ne me dis pas que tu tiens tellement à ce garçon. J'y tiens. J'y tiens même beaucoup. Pour des raisons personnelles qu'il est difficile d'expliquer à sa mère et surtout à sa mère. Bon, écoute, je n'ai pas de conseil à te donner, mais je pense sincèrement que ce Pablo est un oiseau de nuit et qu'on ne vit pas que la nuit. Oui, mais on peut se lever tard. Allez, va chercher Pablo et ma Christine. Moi, je préviens pas. Bon, mais d'accord. Que se passe-t-il encore? Un problème, Thérèse? Une réunion familiale, semble-t-il. Ah, ça promet. Attends, comment ça, une crêpe partie à cette heure-ci? Il n'y a pas d'heure pour se caler. Il y a quelque chose qui ne va pas, toi. Tu vas voir. Je ne sais pas pourquoi, mais... Pablo, tu as absolument à ce que nous participions à une crêpe partie. Si, on va bien se régaler. Oui, on a envie de manger une crêpe. Volontiers, Victoria. Elles sont toutes chaudes. Oh, j'en prendrai une aussi, Victoria. Oh, parfait. Moins fort, on fait la musique. Oh, enfin, Léo. Juste un petit fonçonnant. Mais oui, ça ne me dérange pas. Enfin. Léo, une crêpe? Non, merci, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je passe mon tour. Pablo. Volontiers. Enfin, baissez-moi cette musique, bon sang! Et voici notre bulletin d'information. Ah, je crois que ce sont les informations. Vous aussi donner les résultats du match. Écoutez. Un avion a fait un atterrissage forcé dans le nord de l'Irlande. Heureusement, tous les passagers sont sains et saufs. Et vous n'avez pas peur en avion, Marie-Christine? Non. Venezuela! Arrêtez-moi cette radio! Écoutez! Venezuela! Nous venons d'apprendre en l'instant, par un flash de notre agence, qu'un gisement de pétrole, je répète, de pétrole, vient d'être découvert près des sources de l'Orénoque. Ce gisement d'une richesse insoupçonnée se trouve en pays indien, sur le territoire de la tribu des Bosotago. Bosotago, pardon. Notre pétrole! Alors, Marie-Christine, que dites-vous de cela? Oh, mais j'achète, voyons, j'achète! Léonard, je vous l'achète tout de suite! Vous avez compris que je n'ai jamais douté! Alors, vous fichez-moi le temps! Fichez-moi le temps! Vous voyez, tu ne veux pas vous faire réparer le cadeau, non? Non, mais papa! Non, tais-toi! Tais-toi! En plus, ça fait trop longtemps que vous êtes ici. Je dois vous dire que mon fils est déjà marié, madame! Marié? Parfaitement! Déjà marié! Papa, je... Tais-toi! Même pas que j'allais lui donner une vieille rombière qui soulage le cougar, hein? Je vous n'êtes pas dans votre état normal. Je ne me suis jamais aussi bien senti, si vous voulez le savoir. Papa, non, mon fils ne vous épousera pas, c'est tout. Oh, une telle goujaterie, telle qualifiable. Pauvre riche, pauvre Jean. Pauvre Jean, nous pauvres, mais nous sommes plus riches que vous, les plus riches qu'elle. Cette Marie-Christine, est-ce mon obsédé qui est chef des hommes honnêtes dans sa chambre? Poupée, viens ici. Oh, la sale bête! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon poupée dans la radio!
Allez, 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 dans ta cage. Bah, c'est ce que je voulais t'expliquer. Quoi? La radio, c'était moi. Bon, c'était toi? Oui, je l'ai relié à la TV. Ah! Ah! Marie-Christine! Marie-Christine, allez me chercher! Je suis poignardé dans le dos pour ma fille! Je te déshérite! Oh, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien! Tu n'auras plus rien! Ça, salope! Alors, Marie-Christine, on est ruiné! On est ruiné! Tu n'auras plus rien! Mais toi, ce petit accord, ça tournait ma gueule! Christine, arrête! Pas un instant, seigneur! Juliette dit lui adieu, il ne vaut pas un regret! Tu as raison, Mélanie. Pablo, c'est fini. Tu entends? C'est fini! Et tu peux garder les cadeaux, ce qui est fait, fait. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas tout fait pour vous garder, Pablo de la Ciudad! Papa, un instant, ce n'est pas fini! Où allez-vous? Bah, allez voir Christine! Après, essayez-vous! Ah, ok! Si vous étiez à Rio avec Juliette, c'est toujours avec Julieta. Et pourquoi dites-vous Julieta? Parce que Julieta, c'est Julieta. En portugais. Mais tu es vénézuélien, première erreur. Et on préfère Julieta. Ah oui, vous aimez Rio? Ah, mais vous êtes de la policia. Et vous préviens, nous, papa, général, moi. Ah oui. Alors, quelles sont les couleurs des voitures de la garde nationale de Rio? Ah, il y avait plusieurs couleurs. C'est tout à fait faux, deuxième erreur. Alors, qui êtes-vous réellement? Oh, ça va, vous avez gagné, je m'appelle Michel Nico. Et Pablo de la Ciudad, c'est votre nom de guerre? Voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Amérique du Sud, vous vous défendez pas mal. Et quant à Juliette, vous l'avez rencontrée... À Montmartre, dans une boîte de nuit où je travaille. Juliette, tout ce qu'elle connaît du Brésil, c'est la place Pigalle. Vous êtes contente? Non, pas spécialement, non. Alors? Alors, j'ai une proposition à vous faire. Marie-Christine ne sait plus quoi faire de son fric. Et vous, vous m'avez l'air préféré porter des Rolex plutôt que des Swatch. Elle aime la crème fouettée, vous aimez fouetter la crème, moi je me vois très bien ensemble. J'ai une condition. Vous lui faites d'abord signer le chèque de Papa Brémond. Et après, j'oublierai Michel Nico. D'accord? D'accord. Muchas gracias, señorita. De nada, señor. Oh, il dort. J'ai dû le bercer comme un enfant. Mais tous nos amis viennent de là. Je vais aller brûler cette maudite chose. Ah non, pas de blague. Hein. Ne vous inquiétez pas, Victoria. Je m'occupe de tout. Bon, vous en êtes sûre? Oui, bonsoir, Victoria. Bonsoir. Vous savez quoi? Je vais aller embrasser Puit Puit. Ça me réconfortera. Puit Puit. C'est pas bon, Puit Puit. Administration. Allez, va dormir, hein. Ah, Mélanie, chérie. Je vous charge de remercier nos charmants hôtes pour ce week-end, mais nous devons absolument filer. Bon, oh. J'espère que votre père sera satisfait, car sans l'insistance de Pablo, cette carte aurait pu tomber dans de mauvaises mains.
De mauvaises mains, autres que les miennes. Tu viens, Pablo? Il arrive. J'espère que ce sera suffisant. Bravo, seigneur. Adios. Adios. Pablo! Il arrive, maman mia, monsieur. Adios. Les plus courts sont toujours les meilleurs. Juliette, où est Juliette? Tu m'as demandé, papa. Juliette, tu crois pas que t'en as assez fait hier au soir avec ta Sylvie? Je t'assure. Tais-toi! Si de lever, j'allume la radio et la rebelote. On a trouvé du pétrole sur le territoire de l'Orénoc. Alors ça commence à bien faire, hein? Papa, je t'assure que je n'y suis pour rien. J'ai passé la matinée au bord de la piscine à bouquiner. Alors qui est-ce qui parlait à la radio? Certainement le journaliste de la radio, Léo. C'est vrai? Mais je ne vois pas d'autre explication. Mais alors ça veut dire que nous sommes... Oui. Nous sommes riches. Nous sommes riches, Victoria. Je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours assassiné pour les affaires. Des millions d'hectolitres de pétrole. Le problème, c'est que... Nous avons là un chèque de Marie-Christine Grévin. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui a acheté votre concession hier. Oui. Ah! Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible! Des millions d'hectolitres de pétrole, on aurait pu être milliardaire! Léo, calmez-vous, vous allez nous faire un arrêt cardiaque! T'es pas en train de rester millionnaire, hein! Oh, fais voir ce chèque! Oh, mais Léo, nous ne sommes pas perdants, c'est quand même deux fois le prix que je l'ai acheté! Mais tout de même, des millions d'hectolitres de pétrole, tout de même! Ça, c'est donc de regarder en arrière! L'important est d'aller de l'avant! Venez, il faut que je pense à tout dans cette maison. Je vous ai fait un magnifique cadeau de mariage. Ah! C'est-à-dire que nous ne sommes pas mariés. Ah! Je le savais. Comment ça va marier? Enfin, pas encore. Mélanie, acceptes-tu de devenir ma femme? Bien sûr. Bon, Victoria, oui. Le cadeau de mariage, bien. Vous n'avez pas payé trop cher au moins. Oh, Léo, ne soyez pas si bassement matérialiste. Il s'agit quand même du mariage de notre fils. Victoria, qu'est-ce que c'est? Quelle importance? Victoria, qu'avez-vous acheté? Un terrain. Ah! Mais rassurez-vous, il est bourré d'uranium et de zirconium. De l'uranium? 15 hectares pour une bouchée de pain. Oui, et où ça? C'est sûr que ce n'est pas la porte à côté. Victoria, où ça? Au Japon. Ah! Très bien situé. Près de... Fukushima. Ah! Mireille Aïta, Sylvie Bauduin,
Mariette Morel, Sylvie de Chazeron, Jérôme Carre-Olanier et Bruno Laville. Vous a présenté une adaptation du film de Jean Giraud. Pouic, pouic, pouic. Ceux qui ont la passion du théâtre, les élèves de l'école régionale d'art dramatique, ne sont peut-être pas des têtes d'affiche, mais ce sont les futures vedettes de demain, qui sait, 2 heures dans le cadre d'une émission en direct à louper sous aucun prétexte. Et puis, au mois de mai, nous aurons le plaisir de vous présenter notre dernière création 100% inédite, Dégommage corporel, une pièce à mourir de rire, que nous jouerons sur 2 soirs sur cette scène du Théâtre Molière. Et puis, normalement, je termine là par la formule consacrée directement à votre. Mais j'aimerais quand même juste vous adresser quelques petits mots pour déroger à la tradition et vous remercier. En effet, aujourd'hui, nous vivons une ère informatique extraordinaire avec YouTube, avec Internet, avec tous les médias à notre disposition. Et depuis que nous avons mis, depuis à peu près 10 mois, les 14 pièces en ligne sur notre chaîne, vous avez été plus de 86 000 à venir voir les différentes pièces de théâtre. Et là, il ne s'agit pas de venir voir une photo de chat ou un gag qui dure quelques minutes, mais bel et bien des pièces d'1h30. Et par vos commentaires, par vos réactions, par vos venues, bien sûr, vous nous encouragez à continuer notre passion, celle du théâtre. J'en veux pour preuve Entrée plat d'essai, qui postait aussi depuis 10 mois, a totalisé à peu près 36 000 vues dans plus de 80 pays différents. C'est extraordinaire. Entrée plat d'essai, qui d'ailleurs sera joué la saison prochaine, en saison 2016-2017, par quelques compagnies amateurs, mais aussi par des compagnies professionnelles au théâtre d'Olonne-sur-Mer, sur une scène nationale, mais aussi dans d'autres secteurs tels que la Bretagne, le Dauphiné. Bref, on aura l'occasion de visiter. Alors, ce n'est pas nous qui jouons, mais on pourra les retrouver, bien sûr, sur Internet. Et puis, enfin, pour terminer, Oscar, puisque nous avons terminé ce cycle de Funès avec Oscar, qui a été repris, notre version, par une compagnie varoise et qui fait l'objet d'études à l'université d'Édimbourg, qui a préféré notre version plutôt que la version originale. Voilà, toutes ces bonnes nouvelles pour vous remercier et vous dire que 33 ans d'humilité, c'est pas ça. Bonsoir.